Bon, samedi matin, 1er mai ou pas, moi ce que je veux c'est gagner du fric. On va commencer simplement. Moi j'en ai ras-le-bol des services publics qui coûtent bonbons. On va privatiser pour les copains, au moins eux, ils sont rentables. Et après, démantèlement du service public. Je m'appelle Claude et je suis infirmière. Je m'appelle Camille et je suis cheminot. Je m'appelle Dominique et je suis gazelle. Cher Charles, on ne se connaît pas. Je m'appelle Michel, postier comme toi, le facteur siffleur qu'on m'appelait. Avant la poste, j'ai commencé au PTT, facteur de campagne titulaire de ma tournée. J'étais fonctionnaire, commençant tôt et finissant pas trop tard. Retraité depuis maintenant 20 ans, j'ai eu la chance de partir au tout début de la fin. C'était la fin déjà, mais le début seulement. J'ai eu un métier que j'ai aimé. J'ai aimé faire le travail pour lequel j'étais employée. Celui de distribuer le courrier, bien sûr, mais aussi celui de rendre service. Celui d'être le seul lien parfois, la seule présence. Je prenais le temps d'apporter ce qu'il manquait. D'écouter souvent. Je prenais encore plus le temps quand tout allait mal. Discuter avec les gens faisait partie de mon métier. Le lien. Être le lien, le fil social. Cela avait un sens. C'était ça mon métier. Je l'ai aimé. Charles, ce courrier que je t'envoie, tu ne le recevras pas. Et pas parce que le centre de tri a fermé. Tu as décidé de mettre fin à tes jours ce 17 juillet 2016. Parce que le métier que tu avais choisi, il avait disparu. Remplacé par un emploi vide de sens. Tu as écrit: depuis quelques années, la Poste, l'hôpital, EDF, la SNCF, petit à petit, a détruit ses employés, ceux qui avaient le contact avec les gens. En ce qui me concerne, ils m'ont totalement détruit. Tu n'as pas supporté qu'on tue le rapport avec l'humain. Avec ceux qu'on a voulu nous faire appeler des clients et pas des usagers. Et on s'est battu pour ce mot, usager. Facteur d'avenir qu'il disait, si l'avenir est de faire payer le lien social. On riait de bon cœur de la tournée à l'américaine. On n'en rit plus. Tournée trop longue qui te donne que le goût de l'échec. Cadence intenable. Faire toujours plus à toujours moins. Faire toujours plus pour toujours moins. Déposséder. Minuter. Congé imposé. Multi-activité. Et puis moderniser. Dématérialiser. Déshumaniser. Optimiser. Déréguler. Contrôler. Concurrencer, rentabiliser, dégrader, démanteler, privatiser. De titulaire à intérimaire. De fonctionnaire à précaire. Du public au privé. Du service à la rentabilité. Charles, je sais qu'il est trop tard. Ça n'aurait peut-être rien changé, mais tu n'étais pas seul. Vous étiez nombreux. Nous sommes nombreux. Tes collègues souffraient aussi. Nous en souffrons aussi. Ceux de la Poste, dans les bureaux, des télécoms, ceux de l'énergie, les cheminots, ceux de la santé, des droits sociaux. La même histoire, avec quelques années d'écart. Puis les nouveaux, tellement occupés à tenter eux aussi de survivre, avec ultimatum, une date de fin de mission, de fin de CDD, de CDI intérim pour les premiers de corvée. Des droits toujours rognés. Avec la peur au ventre de se retrouver viré. Viré. Viré puis chômeur. Chômeur puis oublié. Néantisé. On aurait fait pareil sans la sécurité. On se serait plié, flexibilisé pour être employable, pour survivre. Aujourd'hui, je serai juge. J'accuserai. Les pouvoirs publics. J'accuserai. Ceux qui sont à l'origine de tous les démantèlements des services publics. De crimes contre l'humanité. Je ferai probablement un piètre juge, peu importe. Chacun son métier. Vos économies ne valent pas des vies. Leurs profits ne valent pas nos vies. Et forçons-les à nous écouter. Battons-nous pour de vrais services publics, forts, dans l'intérêt de la collectivité. D'intérêt général. Battons-nous pour communiquer, pour se chauffer, pour voyager, pour éduquer, pour se cultiver et cultiver, pour protéger, pour que chacun vive dans la dignité. Alors retrouvons-la, cette dignité. Il est temps. Relevons-la la tête.
Regarde, les cerisiers fleurissent. Continuons de siffler. Avant, ils rêvaient de marcher sur la lune. Moi, je veux qu'ils rêvent de gagner de la thune. Alors pour ça, on les fout dans la merde tout de suite, qu'ils savent ce que c'est la misère et qu'ils se disent que l'argent, ça règle tout, non? Bon. Précarisation de la jeunesse. À grandir, construire, chercher, rencontrer, saisir, sentir qu'ils aient le choix d'aimer, le choix d'exprimer, le choix de vivre. Vivre de quoi? Avec quoi? Vivre avec qui? Solitude, je ne connais plus le visage d'un autre. Résignation, frustration, empêchement, attente, violence. Questionnement sur questionnement, que devient ce temps qui avance en suspens? Voici votre réponse. Patience, espoir, courage, est-ce la seule qui soit véritablement impérissable? Nous nous sommes confinés, masqués, nous avons accepté d'attendre, d'arrêter, d'annuler. Sur ces longs chemins qui s'offraient à nous, l'immobilité s'est faite reine. Immobilité, figée dans l'élan, empêchée, corps confiné, désir confiné, empêché. Que restera-t-il de ce monde qui voit mourir ses existences? Les forces de nos rêves s'abîment. Notre courage s'épuise. Nous ne danserons pas toujours sur le rythme de vos destructions. Nous ne rêverons pas toujours à des feux qui se consument et s'éteignent au-devant de nos pupilles. Mais nous serons là, épris de rage et de colère, malgré la mort qui rampe sous nos pieds, qui glisse sur nos paupières. Nous sommes là, avec pour écorchure l'ignorance, mais avec pour nourriture la révolte. Et nous sommes affamés. Coûte que coûte, nous plaiderons pour nos libertés. La seule poésie se trouvera dans la lutte. Voilà l'essentiel de nos jours. Nous avons 20 ans, nous sommes vos suicidés. Nous avons 20 ans et nous ne laisserons personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Eh ben tant mieux. Non, il y a un autre filon. Il y a un filon indémodable pour se faire du fric, c'est la santé. Avec les copains, le truc en ce moment, c'est de rendre obsolète l'hôpital public, on supprime les lits, etc. On développe les cliniques privées, et ça donne la T2A, réforme hospitalière. Nous sommes en guerre.
Agnès Buzyn le 14 février. Je ne pourrai pas être candidate au municipal. J'avais déjà un agenda très chargé, j'ai beaucoup de réformes dans le ministère et c'est rajouté un surcroît de travail avec la crise du coronavirus qui aujourd'hui m'occupe énormément. Nous sommes en guerre. Agnès Buzyn le 16 février. J'ai décidé de remettre ma démission au président de la République et au Premier ministre dès ce soir. Et je sais que ce ministère est préparé. Et ils sauront trouver un successeur qui évidemment prendra en main ces sujets d'importance. Nous sommes en guerre. Sibeth Ndiaye, vous savez quoi? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire je suis ministre, je mets un masque, mais en fait, je ne sais pas l'utiliser. Nous sommes en guerre. Elisabeth, urgentiste. Raphaël, médecin. Chers médias, aujourd'hui, vous nous demandez plus que jamais nos témoignages, des images, nos ressentis sur la situation actuelle. Aujourd'hui, vous nous demandez si nous avons des morts, si nous sommes à bout. Aujourd'hui, vous nous demandez si nous nous inquiétons pour nos proches, nos patients, pour nous, si nous avons peur. Aujourd'hui, vous nous demandez du sensationnel, de l'image, des larmes, des preuves de courage. Aujourd'hui, nous vous répondons. Certains patients ne meurent pas de la Covid, mais bien de l'effondrement du système de santé qu'on tenait déjà à bout de bras avant la crise. Aujourd'hui, nous avons honte. Aujourd'hui, nous avons honte. Des gens meurent parce que les soignants sont débordés. C'est un problème de santé publique et on en a honte. Parfois, les familles ne sont pas au courant, les équipes se taisent par culpabilité. Et quand elles disent la vérité, ça étonne toujours, mais les proches comprennent. Ils savent qu'on n'a pas assez de moyens. Il faudrait presque les pousser à porter plainte pour que le problème devienne visible. Aujourd'hui, l'urgence vitale doit attendre. Alors oui, c'est difficile. Nous passons d'une médecine réanimatoire de pointe à une médecine de catastrophe. Nos soignants ne sont pas habitués. L'impact psychologique est énorme, nos esprits souffrent. Chers médias, nous serons toujours là après cette crise, avec la même rage et une énergie décuplée pour défendre notre hôpital public. Chers médias, relayez cela. À Limoges, parallèlement aux collectifs interhôpitaux qui se sont développés dans toute la France, s'est créé en 2020 un collectif d'usagers de l'hôpital public. Ce collectif regroupe citoyens et citoyennes déterminés à défendre un service public hospitalier de qualité, en dehors de toute considération marchande. Une fois passé ce moment dramatique, ce collectif est et sera aux côtés du personnel hospitalier pour œuvrer en ce sens. Bon, bah, c'est le moment de vous faire plaisir. C'est plein de trucs inutiles, je vais les dire. Hein. Ça ne veut pas dire que ce sera appliqué, mais je l'ai dit. Qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir? L'égalité homme-femme. Je crois que c'est un truc un peu à la mode en ce moment, non? L'égalité homme-femme. En 2020, on a fait le Grenelle contre les violences faites aux femmes. Bon, bah, c'est un Grenelle. Comme tous les Grenelles, ça ne sert à rien. Hein. Traité d'Istanbul 2011, 45 pays, plus Union européenne. Jamais appliqué nulle part. Hein. Dommage, hein. C'était pour les violences conjugales. Tant pis. Non, j'ai envie de vous parler d'un vrai sujet bien plus important que ça. L'écologie. L'écologie, bon, on a fait la 21, vous vous souvenez? Non plus, bon, traité de Paris, on a signé, mais rien à foutre. Hein. Non, on m'a dit un truc, il n'y a plus de congés maladie et maternité indemnisés pour les intermittents de l'emploi dans les secteurs empêchés. Eh bien, moi, je vous le dis, c'est réglé. Non, mais c'est réglé, hein. C'est réglé. Non, mais regardez pas comme ça, c'est réglé. Je le dis, c'est réglé.
je sais pas comment c'est réglé, mais c'est réglé. Bon, non, de toute façon, on va partir sur des choses bien plus importantes, comme... Non, mais je sais pas si vous avez vu derrière moi. Il y a des intermittents. Moi, ça me fout de l'urticaire, les intermittents. Parce que ça veut dire qu'ils sont au chômage par intermittence. Et les chômeurs, c'est les pires parasites de la société. Moi, je veux des gens qui se tuent à la tâche, pas des chômeurs. Bon, réforme de l'assurance chômage. Je représente ceux qui se cachent. Il est temps que le monde sache que celles qui jouent et trichent avec les impôts veulent nous faire croire que le problème vient des personnes touchant moins de 1000 euros. Divisées pour mieux régner, travailleuses contre chômeuses, acharnées contre insistées, ainsi l'on entend ces discours encore et toujours. Ça coûte un pognon de dingue le chômage. Pour trouver du travail, il n'y a qu'à traverser la rue. Par ces paroles, M. Macron salue notre image. Je suis donc aujourd'hui dans la rue. Pensez à toi qui t'es battu pour que ton usine soit sauvée. Tu étais quelqu'un de bien, mais quand les caméras se sont détournées et que vers Pôle emploi tu as dû te tourner, tu étais encore quelqu'un de bien. Que tu es encore quelqu'un, ne l'oublie jamais. Mais voici la réalité. 87% des contrats signés sont de moins d'un mois. Une chimère persiste dans les programmes, le plein emploi. Activités saisonnières et productrices en discontinu, les emplois précaires se perpétuent. Salut à toi la saisonnière, salut à toi l'intermittent du CDD ou intérimaire, salut à toi le renfort de Noël à Amazon, salut à toi la serveuse en extra, salut à toi la vacataire où tu iras. Heureusement, pas à la rue, mais dans la rue. Pour combien de temps, monsieur le président? Au 1er juillet, réforme du chômage. Adieu notre gilet de sauvetage. Je devrais vendre mon temps de vie pour un salaire de misère insuffisant pour la survie. Sitôt fini le CDD, je dois en trouver un autre de suite sous peine de poursuite. L'État ne veut plus m'aider. L'humain est devenu une ressource, une variable d'ajustement, d'un marché au pas de course à la recherche de recrutement. De mon côté, je suis animateur. Je ne compte pas les heures. Préparation, animation, répétition, le chômage achète ma paix sociale et mon dur labeur. Faire le double du travail, non payé, c'est du travail dissimulé. C'est 30 000 euros d'indemnité au prud'homme si je poursuis mes employeurs. Si ça passe le 1er juillet, j'en connais qui vont hurler. Déjà fragilisé par la crise sanitaire, le tourisme se retrouvera 6 pieds sous terre. L'abbé Pierre disait... Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, en laissant les assiettes des autres vides. Je sais que je dois leur crier à cela. Les provocateurs de toute violence, c'est vous. Vous avez probablement plus de sang sur vos mains que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Pour un monde équitable, où l'emploi ne recouvre pas le travail, et le travail ne recouvre pas la vie, pour qu'on vive tous enfin selon nos envies. Je suis un homme de paix, le temps pour faire ici, l'immense bête mensuelle, on s'est
Chômage. Maintenant, c'est le retour d'un truc du 19e siècle que j'adorais, le travail à la tâche. On change juste le nom, hein. On va appeler ça ubériser et on va créer les auto-entrepreneurs. Hein. La création de l'auto-entrepreneuriat. Je m'appelle Emma, je suis artiste-auteur. Je m'appelle Mohamed, je suis livreur des plateformes. Je n'ai pas de statut. Je suis artiste-auteur, bien vivante et malgré tout invisible. Je veux me lever le matin pour créer, pas pour me battre avec des administrations qui ne savent pas à quelle case je correspond. Je suis livreur parcourant nos rues et malgré tout invisible. Chaque midi, chaque soir, à faire fonctionner les restos quand tout est à l'arrêt. Ubérisé depuis bien trop longtemps, je crée la matière première de la chaîne culturelle. Mais de cette chaîne, je suis le maillon faible. Je suis le parent pauvre de la culture. Les politiques culturelles nous oublient, les industries culturelles nous exploitent. Livreur des rues, métier en expansion et essentiel en ces temps porteurs de saveurs de la vie d'avant la crise, qui a tout arrêté, mais nous continuons de pédaler. Comble de mon métier, je vous livre de quoi manger, mais ça ne suffit pas à me payer mes repas. Les préfectures nous oublient, les applications nous exploitent, nés ubérisés, mais ça ne va pas durer. Fin du scandale! La crise sanitaire le démontre tragiquement. Notre sécurité sociale éparpillée, déshumanisée, faillit à sa mission de soutien. Créons un guichet unique, complet et attentionné, adapté à nos réalités. La création meurt si elle n'est pas soutenue. Nos revenus sont discontinus. Sécurisons-les. Nous ne vivons pas d'amour et d'eau fraîche et la visibilité ne remplit pas nos assiettes. Abolition du travail gratuit subi. Payez les artistes auteurs. Nous voulons le statut de salarié, ses droits et sa dignité. Continuons sur notre lancée. Le modèle peut tomber et les plateformes être condamnées. Frishti a payé, fini d'être exploité, livreur régularisé. Nous exigeons les élections professionnelles auxquelles nous avons droit. Et que le ministère de la Culture et que le ministère du Travail aujourd'hui hors la loi nous refuse. Non essentiel, pourtant indispensable, nous sommes peintre, écrivain, traductrice, dramaturge. Essentiel, indispensable et pourtant réprimé, nous livrons vos repas. Photographe, parolière, sculpteur, installatrice, chorégraphe, céramiste, scénariste, vidéaste. Essentiel, indispensable et pourtant réprimé, nous livrons vos fleurs. Graphiste, plasticienne, compositeur, dessinatrice, illustrateur, performeuse, designer. Essentiel, indispensable et pourtant réprimé, nous livrons vos courses. Plasticienne, sonore, scénographe, mosaïste, graveuse, vitrailliste, précarisée, ça ne va pas durer. Ils sont pratiques, ces petits livreurs, hein, pour bouffer McDo.
En parlant de bouffer, on a fait un coup. Oh, on les a couillés, les bouseux, avec la politique agricole commune. Ah, la PAC. D'ailleurs, on en a une nouvelle dans les tuyaux. Magique. De rien, Monsanto, de rien, Lactalis. PAC 2021. Je suis Alex, je suis paysanne, agricultrice pour d'autres, paysanne c'est certain, enfant de la terre j'ai grandi ici, entre champs, forêts et rivières, dans le bocage comme on dit, ou plutôt ce qu'il en reste. Enfant de la terre, prisonnière du système, on nous a poussé à exercer sous la pression de la croissance, toujours plus et à moindre coût, pour que chacune et chacun puisse se nourrir. Puis nous voilà soumis aux règles du libre-échange, course à la productivité, concurrence acharnée, nous imposant pesticides, engrais, pour un revenu de misère, imposé et ordonné. C'est par les lois du marché qu'ils ont clamé mort aux paysans. Ils ont voulu nous soumettre à leur argent, à leur libre-échange qui corrompt tant de mains. D'ici, on le voit que leur fric est assassin. Ici, ils détruisent la terre et notre vie en son sein. Valoriser la quantité quand je cherche la qualité. Favoriser les hectares quand je veux la biodiversité. Développer les fermes usines au dépit de mon échelle. Et tout ça pour finir endetté. Je ne veux pas m'endetter pour exister. Je veux ma liberté de cultiver et celle d'élever. Ma liberté sera notre solidarité. Gardienne des paysages de ce Limousin terre d'élevage, je veux mes bêtes dehors. Sculptant notre bocage, je veux mon troupeau à échelle humaine. Je veux vivre de ma production et non pas de vos subventions. Je suis Alex, je suis paysanne. Sociaux, c'est pas la peine pour les ouvrir à tout le monde, non ?
à la terre entière. Non, 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 non. Immigration contrôlée et droit d'asile effectif, loi Colombe. Arriver en France pour fuir la dictature, la misère, les désordres climatiques ou la guerre, nous sommes des hommes, des femmes, des enfants confrontés au mur des obstacles dans un maquis de sigles. Des sigles qui tournent en tête, en boucle dans nos têtes. En un siècle, nous et tous les autres avant nous avons subi plus de 70 textes, lois, ordonnances, circulaires pour encadrer le droit des étrangers. De plus en plus complexes, de plus en plus répressifs, ils sont un vrai casse-tête pour nos avocats. La dernière loi immigration maîtrisée et droit d'asile effectif, dite loi Colomb, a été votée le 1er août 2018. Aujourd'hui, demander un titre de séjour auprès de la préfecture s'avère de plus en plus risqué. En cas de refus, nous faisons quasi systématiquement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. OQTF. Accompagné de plus en plus d'une interdiction de retour sur le territoire français. IRTF. Pour plusieurs années. Nous ne demandons qu'à travailler, avoir un toit, permettre des études à nos enfants. Vivre et non survivre. Aussi qui me chafouine un petit peu, c'est les retraités. Déjà qu'on n'arrive pas à se débarrasser de nos chômeurs, on va pas payer encore des gens à rien faire. Donc, madame, messieurs, demandez à vos gamins de prendre leurs responsabilités et de vous envoyer dans des EHPAD privés, hein, ce sera très bien. Réforme de la retraite. Après avoir diabolisé les chômeurs, c'est le tour des retraités. On passe pour des boulets qui ne sont pas employés. Plus employés, mais travailleurs. Regardez vos associations. Mais nos caisses sont déficitaires, alors à mort le solidaire. Ils veulent un régime universel, supprimer les spécificités et nous faire compter des points pour travailler. Travailler jusqu'à crever. Je bosse, mais j'aurai jamais de retraite complète. Je bosse, mais ils m'ont dit que j'avais des trous dans ma carrière. Je bosse, mais j'ai eu des enfants et j'ai voulu prendre le temps de les élever. Je bosse, et à cause de ça, faudrait que je bosse jusqu'à 67 ans. Je bosse à faire des ménages, à me bousiller le dos. Je bosse, et je me vois déjà passer de ma boîte au cercueil. À suivre leurs calculs, nos retraites sont maigres. Ils ont gelé nos complémentaires, mais à l'entrée de l'hiver. Mais nos dépenses, elles ne sont pas gelées. Travailleurs passionnés ou grands-parents aimants, c'est la misère qui attend ceux qui ont déjà donné tant.
fut. Ah, alléluia, quel prétexte fantastique pour bourrer le crâne de la populace avec notre idéologie à coup d'infos continues, hein. On ne vit pas d'humanité et de plaisir, mais de travail qui font tourner la bourse, hein. État d'urgence sanitaire. Nous sommes les empêchés. Empêchés de travailler, empêchés mais aussi invisibilisés. Devantures fermées, portes closes. Nous sommes les annulés qui regardent passer les trains bondés. Nous sommes les reportés qui voyons décoller sans nous les avions. Nous sommes les empêchés d'étudier, enfermés derrière des écrans, micro coupés, wifi actifs mais déconnectés. Nous sommes les empêchés de vivre, bornés à travailler, manger et dormir, et nous dépérissons. Comédienne, mon métier a traversé les siècles. Flamme fragile et pugnace qui éclaire et dessine les ombres d'une humanité en quête d'absolu. Doit-on considérer que faire humanité est non essentiel? Restaurateur, j'éveille le sens du goût, je donne du plaisir et permets la convivialité. Doit-on considérer que la convivialité est non essentiel? Étudiant, je prends chaque jour le relais du savoir et de la recherche. Je remets en question des certitudes et aiguise mon esprit critique. Doit-on considérer que l'esprit critique est non essentiel? Citoyenne, je suis spectatrice, je suis militante, je suis inscrite à une chorale, à un club de gym, usagère des piscines ou des salles des fêtes. Et aujourd'hui, je suis déprimée. Doit-on considérer que la dépression n'est pas une préoccupation sanitaire? Doit-on considérer que la répression est la seule réponse à une crise sanitaire? Doit-on considérer qu'il n'y a pas d'autre issue que l'état d'urgence sanitaire? Nous pensons qu'il est criminel, violent, destructeur, mortifère et idéologique de nous faire subir cette longue nuit sans fin. Nous voulons l'accès libre à tous les lieux de culture et de sociabilité. Nous plaidons pour la contagion du désir, du plaisir et de la curiosité. Continuez à danser encore.
chère main-d'œuvre chérie, je vous ai compris. Vous voulez la sécurité. J'ai un truc pour vous. La sécurité globale. Au pays des Lumières, la nuit s'abat sur nous. Le pays des droits devient pays du roi. C'est sécuritaire contre libertaire. C'est répression contre protestation. C'est autoritaire contre démocratie. C'est la liberté qui se fait matraquer derrière des murs de boucliers. C'est la surveillance à chaque coin de rue pour savoir comment on se torche le cul. C'est filmé, fiché et enregistré. C'est l'illégal qui devient légal. C'est la légitimité de la violence d'État. Mais c'est pour nous protéger, ma petite dame. Pour nous protéger, mon bon monsieur. Protéger de qui? De nous-mêmes? De nos protestations, de nos envies de révolte. Pour protéger. Protéger certains de la colère du peuple. Ils ont voté à l'Assemblée Sécurité Globale. Ils ont voté oui. 75 voix contre 33. Sécurité globale, préservant les libertés. Les libertés de ceux qui votent les lois. Ils sentent le soufre monter d'en bas. Ils ont voté oui. La peur du peuple. Ils ont voté oui. Et moi, l'enfant, je suis là face à notre monde. Mais quel est ce monde? Quel est ce grondement qui monte dans mon pays? L'orage approche menaçant. Et nombreux sont ceux qui cherchent l'abri. Toujours plus sombre, toujours plus pesant, mais rien n'éclate. Si une lumière arrive à s'extirper de ce ciel noir, quel est le jaune d'un gilet ou la droiture d'une nuit debout? Un fragment de seconde suffit pour qu'elle s'évanouisse dans l'obscurité. Mais il est certain, si la foudre ne parvient à allumer la flamme, elle claquera encore et encore jusqu'à ce que... L'espoir s'embrase! Regarde, les cerisiers fleurissent. Le printemps est inexorable. Il faut juste que l'hiver passe. Et les dernières gelées qui nous figent vont bientôt passer. Nous nous tiendrons chauds ensemble. Parce que nous l'avons compris. Toutes les flèches viennent du même marché. À nous maintenant ensemble de les parer. De nous retourner ensemble vers lui. Et d'avancer. Permettra à tous les hommes et à toutes les femmes
de développer pleinement leurs possibilités, leur personnalité. La sécurité sociale est une. Cette organisation nous fournit ainsi instrument de tous les progrès sociaux qui doivent continuer dans l'avenir de se réaliser, tant qu'il est vrai que le progrès social est une création continue. Les chorales militantes, les techniciens et tous les gens qui ont écrit les textes. Maintenant, évidemment, la fête continue, tous au défilé. Tous en manif. Tous en manif, merci.